quest'anno sta vivendo una stagione interessante, una stagione positiva anche per il mercato, però naturalmente non è sempre così, talvolta ci sono stagioni in cui le cose non vanno bene, allora si tende a deprimersi un po' troppo. Ils ont des grosses difficultés à faire des films en Italie aujourd'hui, hein, depuis ils ont plus, ils sont pas comme en France, ils sont pas subventionnés comme nous. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, le cinéma italien était un petit peu a pris un peu de retard par rapport à son passé magnifique, et je pense que maintenant il y a une renaissance et c'est normal. De la Notte, je m'étais permis de dire que j'avais beaucoup souffert et que c'était une atmosphère tellement pesante que j'avais été très malheureuse. Après, j'avais regretté. Et en fait, l'atmosphère ressemblait au film. Ni triste, ni mélancolique, mais par moments, c'était violemment désespéré. Une solitude terrible. Giorgio Pasolini. Io non sapevo la storia del film. Allora, due mesi dopo, j'ai acheté le billet, ci suis allé al cinema. Et on est heureux en tout cas de voir du cinéma. Le cinéma c'est la télévision, le cinéma c'est les grands écrans, le cinéma c'est dans toute la ville, c'est dans le monde. Je vous remercie à nouveau d'être là et à tous les gens qui font du cinéma, le cinéma italien qui est dans la salle. Je vous souhaite un grand enthousiasme, une grande énergie créative pour continuer à nous émerveiller.